Et salut à tous, chers amis, c'est Dean Oliveira, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode je sais plus combien de la carrière RP. ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué, c'est une catastrophe. Bon, alors, où j'en étais? Parce que là, il faut que je me remette dans le bain, là, après les vacances, là. Alors, on était en décembre. Je crois qu'il me reste un mois, hein, pour faire les épisodes, donc on va dire qu'il resterait 12, 12 épisodes à peu près dans cette carrière RP là. Donc là il y aurait un épisode déjà, on va dire 2 et 3. Donc déjà là je devrais faire cette semaine, je devrais faire décembre et janvier, ok. La semaine d'après, oh, je peux m'occuper de février, à mon avis, il va y avoir février seulement. La semaine d'après, il y aura tout le mois de mars, à mon avis, il y aura que le mois de mars. Parce que bah, c'est pareil, il va y avoir, si je passe les huitièmes de finale, il va y avoir des quarts de finale qui vont s'intégrer là. Et ensuite, certainement, il y aura des demi-finales qui vont s'intégrer dans le coin ici, si jamais je gagne la quart de finale. Ouais, ça risque de faire juste. En 4 semaines, ça risque de faire juste. Mais c'est possible. Bon. Du coup, là, on va faire le 8ème de finale contre l'en avant Guingamp. Je vais y aller avec l'équipe B. Je vais pas me casser le cul. Hein, 8ème de finale, je prends ça un petit peu à la légère pour l'instant. On verra. Puis c'est surtout une occasion de faire jouer l'équipe B. On verra bien par la suite si jamais on doit faire jouer l'équipe A pour la suite des événements. Alors, comment ça, j'ai un joueur indisponible. C'était qui le joueur indisponible? Je ne sais pas qui c'était, mais bon. Ah, c'était Thuram, certainement. Je sais pas. Bon, dans tous les cas, non, c'est pas lui. Je veux mettre Alexander et Sasaki sur le banc. Hop, tac, tac, tac. Voilà. Comme ça, je pourrais les faire rentrer à la place de Asenro et Fontana si jamais le besoin s'en fait. Et puis, je pourrais faire rentrer Harib, hein, je pense. Bon, on va rester comme ça. On va rester comme ça. Allez. On se remet dans le bain. On joue le match. Ça fait 3 semaines que j'ai pas joué au jeu. ça va se ressentir dans le gameplay, je pense. Oh, salut, c'est Germain Toussaint. Bon, je profite de ma pause donate là pour te dire que si t'aimes la vidéo, tu peux t'abonner à la chaîne. Voilà. Abonne-toi à mon poulain. Et puis, si t'aimes vraiment la vidéo, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire. Voilà. Allez, bonne vidéo mon petit pote. Merci Germain Toussaint, mais je comprends rien à ce mini-jeu. Ouais, bon, j'y comprends rien. Ça commence bien. Ah, il neige! Salut à tous, je suis absolument ravi de vous retrouver. Bon, pour cette en tout rencontre. Cas, les amis, c'est pas cette semaine, je crois, c'est la semaine d'après. La semaine d'après, il devrait y avoir la sortie du donjon de Nullbuck, l'amulette du désordre. Donc, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire que le samedi, ce sera samedi roleplay. Où on jouera au donjon de Nullbuck. Ça nous rappellera les moments de. De samedi roleplay qu'on a pu faire, genre sur l'appel de Cthulhu, actuellement un des joueurs les plus en forme de son Divinity équipe, Original Sin 2, bien sûr, qui a été une grosse série quand donc, même. On a fait For the King aussi, je crois, qui était plutôt pas mal comme petit jeu. Et donc là, on va faire l'amulette du désordre, donc je ne sais pas trop pour combien de temps on en aura de jeu, mais bon, on y jouera un certain moment. On essaiera de le faire en entier, bien sûr. Et en attendant,
On est reparti pour l'arbitre FIFA qui vient 20. De donner le coup d'envoi. Alors, on va voir comment ces deux équipes vont se comporter. Alors, je vais essayer match, de me faire quelques suite. Passes, hein, histoire de me remettre on dans va le bain vraiment. À la composition de l'équipe locale. Juste me faire quelques passes comme ça. Un 4-5-1 pour cette rencontre. Okay. Et on mise visiblement sur un gros maillage du milieu de terrain pour histoire canaliser de les offensives de pas se faire prendre la balle bêtement la parce que j'aurais fait une de passe de merde. Le schéma tactique de l'équipe, mise en place d'un 4-5-1. Un message clair. Ça passe. Il prend sa chance. Ça passe pas. Oh, le poteau. Le ballon dégagé au large. Ok, on bail. De Belder. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Là, j'ai pas compris ce qui s'est passé, mais bon, c'est pas grave. Ok, Hartmann qui récupère. Goda. Allez, peut-être une bonne occasion. Ah, dommage. Dommage, la passe de Arias n'est pas passée. Ça s'est raté. Ça s'est aussi raté. Ouais, très bonne anticipation sur ce ballon. Allez, on va pouvoir jouer vers l'avant. Il n'y a personne. Alors, je. La bonne lecture là pour intercepter ce ballon. Je galère, hein, franchement. Pas besoin de l'arrêter, celle-là. Le ballon qui est sorti, sortie de but. La neige qui est là et qui n'empêche pas la tenue de ce match. Non, l'arbitre a jugé que la pelouse était praticable. C'était aux joueurs de s'adapter, du coup. Hop. Allez, double d'air. Pour Hartmann. Tramoni. Ouais, un profondeur pour Hartmann. Hartmann qui monte. Le centre au second poteau. Le ballon dommage. Qui est dégagé. C'était bien tenté. Double d'air qui récupère. Cherche une ouverture, pour Feng. Bien sûr. Feng. Ouais, impeccable, la récupération. Il a voulu passer le dernier défenseur, mais trop gourmand. Il aurait peut-être dû tenter directement la frappe. Et là, ça passe sur le côté gauche pour Atkinson. Le centre, heureusement, Yoda était bien positionné. Ouais, bien partir en compte, et là, ça part en compte. Ça aurait pu partir en compte si Arias n'avait pas fait n'importe quoi. Ouais, il reçoit du soutien. Et il redonne. Allez, le Fontana ballon qui à a récupéré la balle. Avec cette récupération. Le bail pour Arias. Ballon donné sur l'aile. Il cherche une solution. Harmonie. Il essaye de trouver la faille. Ouais, la passe qui a raté complètement sa passe. Je voulais la faire pour Arias, mais bon, c'est pas grave. Comme je dis, c'est le ballon sort. Ça va être une touche. C'est l'épisode du retour, hein. Alors oui, j'avais mis que c'était l'épisode du retour la dernière fois, qui mais cette passe. Comme je dis, 3 semaines de vacances, ça fait du bien. J'ai pas joué une seule fois à aucun jeu, donc Le ballon est perdu. À part les jeux mobiles, bien sûr. Hop, allez. Bon, la passe est interceptée. Ça se voit, hein. Je suis mauvais, hein. Je suis mauvais. Je sens que l'épisode il va. C'est plutôt une il séance va pas être terrible à laquelle on assiste. Au niveau. Au niveau des buts. Oh, c'est une marque qu'ils vont passer le c'est attention. Juste à ce moment-là où j'en ai un, voilà, tu vois. Ce qui arrive quand on laisse 1-0 pour nous. Totalement monopoliser le ballon. Ouais, sur le papier c'est bien beau, tu te dis ouais, on laisse venir. Résultat, bon, tu prends. Bah après, on... Apparemment, on a la possession, donc. Sacré exploit individuel, vraiment. C'est déjà bien. Il a su profiter des espaces que les défenseurs lui ont laissés. Et lui, les espaces, bah, on le sait, il faut pas lui en laisser beaucoup. Qui marque. C'est donc l'ouverture le premier du score. But du retour là. Tout pas mal. Ah, il y a beaucoup d'espace devant. Oups. L'arbitre va peut-être sortir un carton maintenant. Et le voilà averti maintenant. Bah, c'est mérité, hein. D'ailleurs le joueur ne bronche même pas. C'est mérité. Première faute, mon gars. Première faute, tu me mets direct un carton. Je veux bien, hein, mais bon. Je veux bien que la faute elle soit sifflée, hein, ça bien sûr. Ça mérite carrément d'être sifflé même. Mais bon. S'il te plaît, un carton direct alors que c'est ma première faute. Il cherche des solutions là. Bataille. Et le but, Yao Feng. Permet à cette équipe de compter. Yao Feng pour le 2-0. Deux buts d'avance désormais.
C'est déjà plus confortable, mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il faut surtout pas se relâcher maintenant. Il nous aura fallu une mi-temps pour nous remettre dans le bain, en fait. Deux buts en l'espace de quelques minutes, les défenseurs ont l'air dépités. Après, Yao Feng, je sais qu'il était doté d'un énorme potentiel au départ, mais maintenant, il est peu devenir spécial. Donc, il peut être vraiment intéressant. Malheureusement, je l'ai découvert que sur le tard. Du coup, j'ai pas pu l'augmenter. comme il se doit. Et quand même à 74 de général, ce qui n'est pas rien pour un gars qui va jouer en remplaçant. Alors, Youngbae est déjà crevé, mais je pense que je mettrai... De Belder à sa place et puis je mettrai Harib en défense. Et les joueurs sont de retour pour cette seconde période. De Belder ou Hartman qui relance le match. J'en sais rien. Non, De Belder. Le ballon pour l'adversaire. De Belder, il a moins de défense que Hartman. Allez, on va en profondeur. On taille. La frappe. Non, ça c'est très mal joué. Ceci était un drop. Qu'est-ce qui lui prend aussi d'envoyer une minasse comme ça? C'est gâché. Une minasse comme ça. Toujours en train de râler, hein. Le petit Ménès là. C'est pour ça qu'on l'aime bien. La voiture là pour intercepter ce ballon. Enfin, encore que, perso, je préfère encore quand c'est Pierre Ménès que, je crois que c'était Franck Sauzet avant. Un coup à jouer. Quand c'était Hervé Matou et Franck Sauzet, j'aimais pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Là, avec Pierre Ménès, pareil, il se fout de notre gueule, en fait. Donc, pour moi, ça me va. Ça me va quand tu rages pas, en fait. Alors, il me propose Pierre Richard, mais moi, j'ai envie de mettre Harib. Harib ou Wang. Alors, Harib, il a deux trucs de plus que Youngbae. Wang, il a rien du tout. Et Richard, il a un seul truc. Donc, ce sera Harib. Et hop, on mettra De Belder. Hop, en milieu offensif. Cible. Ouais. Enfin, ceci dit, ça ne fait pas grand chose. Et... Pardon si vous avez entendu le petit couinement. Il faut que je mette les deux défenseurs. Il a fait un très bon match. Cette reconnaissance de ses supporters doit lui faire plaisir. Il faut que je mette les deux défenseurs parce que... Il faut que je les fasse jouer. Diego Reyes. Tac. Yao Feng. Chercher une ouverture, bien sûr. Lumineux cette passe. Essaye de trouver la faille. Et là, attend l'ouverture. Oh là là, l'occasion. Oh putain. Je sais pas comment j'ai fait. Il n'avait plus qu'à conclure. C'était franchement, je sais pas. Ah, quel geste. Hein. Quel je geste crois les défenseurs. Ils se sont dit non, laissez-le passer. Laissez-le passer, c'est bon. C'est bon, Pedro. Tu peux passer, Pedro. Ah, attention, Pedro. Ça, c'était le gardien, Pedro. Hein? Tu voulais manger la pelouse, Pedro. Ah, clairement. Et moi, c'est Matteo. Non, tu t'appelles Pedro. Alors qu'on arrive aux deux tiers de cette rencontre. Attention, il va falloir que tu le tacles, Pedro. C'est raté, Pedro. Ça sert à rien, excusez-moi. Allez hop, Barrette qui récupère, allez hop, on renvoie direct, nous, on est des ouf. On est des gueudins. Hop, Arias, allez hop, comme ça il le perd, excellent. Alors, il cherche une solution. Il cherche une solution là. Il porte le ballon. Il cherche une solution là. Il trouve une option disponible. Hop là, Barrette qui récupère. Qu'est-ce qu'il y a? Trop de skill. Le gardien là qui s'est troué, attention, c'est dangereux. Non, il s'est pas troué. Juste qu'il a trop de skill pour toi. L'ouverture. Voilà, le skill, il va se prendre un but. Dans l'axe, attention. Voilà, et c'est un temps qui marque. Le skill. Ah putain, merde. Allez, bon, Alexander, Sasaki. Vous allez remplacer Feng et Tramoni, allez hop. On bourre tout en défense. Alors là, mais là, il y a de la défense là. Il y a de la défense où je m'y connais pas. Il n'y a que Arias qui n'a pas de défense, hein. Je tiens à le préciser quand même. Au moins,
Au moins, ça c'est dit. Alors, du coup, le rôle. Sasaki. Non, c'est doit être instruction. Alors, Sasaki. Soutien défensif, revenir en défense. Alexander, revenir en défense. Debelder, revenir en défense. Et là. Qu'il a été c'est Build the Wall. Depuis le début du match. Il a bien tenu la baraque. Attends, là, c'est trop. Il n'y a pas encore tout de Build the Wall. Alors que nous décrochage attaquant. Voilà. Build the Wall. Démerdez-vous. Et encore une bonne passe. Un ballon qui est donné en profondeur. Ah, il manquait peut-être de conviction cette attaque. Ah, c'est bien allez, défendu. Hop. Et le ballon qui bien joué est Sasaki. Sorti. Comme ça, on récupère la balle. Bon là, il y a plus oh, de oui, encore une bonne passe. D'attaque qui tienne, hein, à mon avis. Hein. Parce que vu l'attaque pourrie que je vais avoir, il n'y a que Arias. Oui, bien défendu. Puis à il la a limite coupé de Belder. La ligne mais de bon. Passe. Et il progresse vers le but. Hop. Qu'est-ce qu'il va faire ? Oh, c'est bien donné c'est en bon, profondeur. Ça. Il va y aller. Wesh. Et le but. Hartmann pour le 4-1. Succession de passes. Voilà. Très j'aurais pu la faire, enfin la terminer avec Arias. Mais bon, je me suis dit, au cas où le gardien il arrive à la stopper en mode Migate no Gokui là. On voit mal ce qui pourrait empêcher cette équipe de gagner cette rencontre maintenant. Moritz Hartmann, yeah. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Ouais, le match il a beaucoup tourné, bah oui. Comme tanné. C'est oh, gratuit, c'est gratuit. Ta mère aussi, elle a beaucoup tourné. Allez, il va pouvoir jouer vers l'avant. Allez, hop, personne. Ça dégage. Allez, il faudrait qu'il centre très vite. Et on a dégagé. Oh, on pourrait écarter le danger. Avec trouver une touche à proximité immédiate du poteau de corner. Allez, on va essayer de changer un petit peu les choses. Là, l'entraîneur a demandé à deux joueurs d'entrer sur la pelouse. Oh, ouais. Bien joué. C'était chaud. Il a dégagé. Ah, il dégage ce ballon en touche directement. Hop. Allez, on va repartir un peu en arrière. Caraïbes. On cherche des solutions là. Chercher une ouverture, bien sûr. Ouais, dommage. C'est un adversaire qui récupère cette passe. This is dommage, but we have three buts. On jouera more offer, plus, 3 minutes de temps more of us. Attention, ça ne veut rien dire. Hein. C'est du franglais. Hein. Il s'infiltre. Ah oh oui, po, 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 po. Et un but de plus, histoire de 5-1. Esbler n'évoluera plus. Heureusement qu'il s'est pas raté, hein, parce que s'il s'était raté, il se prenait le piqué, mais directement dans le fion. Allez, si bon, cette équipe. Ce serait marrant, tiens, qu'il rajoute dans ce match. Une possibilité de foirer. C'est vrai, mais ses célébrités dans FIFA, enfin ses célébrations dans FIFA. Genre, tu vas pour faire une cascade et tout, puis en fait, tu te ramasses lamentablement sur le sol. Ce serait très comique. Il y a des matchs comme ça où tout semble vous réussir. Ah bah voilà. Bon, je crois que... Bon, Edgar Arias, il aura quand même bien participé hein, à la victoire de l'équipe. On s'attendait parce que à un match facile. Il a et peut-être voilà, mis qu'un seul but, mais je crois qu'il est auteur de deux ou trois passes décisives. 5 buts à 1. Ouais, les joueurs qui sont évidemment satisfaits de ça. Ah bah je peux être que satisfait hein, là avec l'équipe B j'ai fait du lourd. Donc tu peux être que satisfait. Alors PSG, la Saint-Etienne et Monaco qui sont qualifiés apparemment. L'OGC Nice, le FC Metz, l'OM et l'OL. Ok, bon bah écoute. Après, je pense qu'il y a moyen de gagner cette Coupe de la Ligue. Je suis avec l'entraîneur qui accepte gentiment. Alors, de bravo pour votre magnifique victoire. Pensiez-vous pouvoir battre cette équipe ? Bah bien sûr que oui.
On a bien joué, c'est bien d'avoir pu montrer ce dont on est capable. On va essayer de rééditer ce genre de performance. Une victoire confortable avec les 5 buts de votre équipe. Est-ce que vous pensez que le match aurait pu basculer dans l'autre sens? Non, on aurait dû gagner plus largement. Atkinson a été l'un des meilleurs joueurs chez votre adversaire. Est-ce que ça a été difficile de percer leur défense? On a joué notre jeu, on savait que ce qu'on était capable de faire et on n'a pas vraiment mis en place de plan anti-Atkinson. Voilà, ce sera tout pour moi, Billy. Alors, qu'est-ce qu'il me veut? Alors, suspension purgée pour Harry Young et la Coupe de la Ligue, j'ai reçu de la thune. Bah parfait, parfait, parfait. Ah oui, c'est vrai que... C'est vrai que Okama, il était en défense maintenant, vu que Thuram, il s'est blessé. Je sais même plus pour combien de temps il s'est blessé, lui, mais merde. Ah oui, et puis t'avais Thuram et Ben Sebaini aussi qui étaient blessés. Bah putain. Ça y va, hein. Ça y va les blessures, hein, dans ce jeu. Bon. Et bah on va faire tout ce qu'on peut pour rester avec une bonne équipe. Là on est deuxième apparemment, mais bon. On est déjà à 6 points du premier. Donc c'est chaud. Bon, va falloir que je fasse les entraînements. On se retrouve juste après l'ellipse. Bien, on a Alexander qui a augmenté d'un point. Il est maintenant à 67 de général. Pain, 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 pain. Et Griot est aussi super. Pain, 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 pain. 86 de général, Griot. Ça c'est du buteur comme on aime. Bien, on va pouvoir enlever l'entraînement de Griot du coup. Et je sais pas, soit je donne un entraînement à... Je redonne un entraînement peut-être à Arias, peut-être. Histoire qu'on ait un bon buteur suppléant. Ou alors... Ouais, parce que là, après, c'est nos remplaçants là qu'il faut augmenter là. Ou alors j'en redonne un, j'enlève celui de Griot pour en rendre un à Young, histoire que il ait son 84e point rapidement. Peut-être que c'est ce que je vais faire. Bon. Alors, contre le RC Strasbourg, le retour du blessé. Je sais pas qui c'est. Ben Sebaini. Ah, intéressant. Intéressant, intéressant. Eh ben, tu feras partie du voyage. Tu feras partie du voyage, tu feras partie du voyage. Alors. Tac. Strasbourg, est-ce qu'ils sont dans les 10 premiers? Ça, c'est la question. Non, ils sont 12e. Bon. Ce qui veut dire qu'on va devoir simuler. Hop, allez, simule. 4-1, doublé de Robay, but de Young, but de Okama. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Pas de soucis, Gisèle. Risque de perdre deux joueurs, comment ça? Diego Reyes et Pierre Richard. Alors, Diego Reyes, je m'en fous un peu. Bon, Pierre Richard, on va lui refaire son truc, du coup. Tech. Allez, négocie le contrat. En même temps, je vous montre les négociations de contrat. C'est vrai que je les montre pas souvent. Alors, tu seras un espoir. Sporadique. Allez. 2 ans. J'accepte. De toute façon, c'est la dernière saison. La dernière saison que je fais sur FIFA 20, son salaire il était à 1900, je le passe à 2400 avec une prime à la signature, 200 000, ça te va?
Apparemment, ça lui va pas. Le salaire était insultant. Bah écoute, il fait ce qu'il veut. Je m'en tape, dans ce cas-là. Pierre Richard. Goodbye. Allez. C'est gratuit. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je m'arrête là pour cette reprise ou pas? Ça fait un peu court comme vidéo, mais bon. Pour une reprise pour moi, c'est déjà pas mal. On va continuer un petit peu, hein. On va faire des entraînements ensemble, tiens. On va faire des entraînements ensemble. Alors, de toute façon, c'est que des trucs défensifs. Alors, Arias, on s'en fout. On va peut-être augmenter. On va donner son prochain point à Yao Feng. Je sais pas si on peut le faire comme ça. À moins que j'augmente Jung. Oi. Ça va pas augmenter des masses aussi. Faudra pas augmenter des masses. Passe en profondeur l'OB, peut-être que ça va peut-être augmenter un petit peu. La Vista, ça devrait augmenter les MC, je pense. Bon, de toute façon, moi je fais les trucs des défenseurs. Je m'occupe pas forcément des autres. Alors, vous avez remarqué que j'augmente Sasaki et Alexander, histoire de. Alors là, on a eu un beau bug au premier, là. Parce que on avait récupéré la balle, sauf qu'on n'avait pas eu les points. Mais ça arrive très souvent dans les trucs d'entraînement. Enfin, c'est des bugs. Ils savent pas corriger les bugs dans FIFA. En fait, ils les corrigent, mais seulement les bugs qu'il y a sur FUT. Parce que sinon, ils risquent de perdre de l'argent, hein, n'est-ce pas? De toute façon, j'ai envie de dire, tant qu'il y aura des débiles pour acheter leur pack sur FUT. Parce que moi, j'ai rien contre les joueurs qui jouent seulement à FIFA Ultimate Team. Hein. J'ai rien du tout contre eux. C'est juste que le fait d'acheter leur pack pour toujours avoir de meilleurs joueurs, ça engraisse FIFA, ça engraisse EA Sports. Et du coup, ils se disent, vu que ça marche, que ça nous rapporte de la thune, eh ben on va continuer là-dessus. Et on va tout miser nos prochains jeux que sur FIFA Ultimate Team. Et le reste, on s'en bat les couilles. En gros, hein, je résume ce qu'ils pensent. Je résume comment ils pensent, mais je crois que je suis pas loin de la vérité. Franchement, hein. Pour être honnête, je suis pas loin de la vérité. Et c'est pour ça que... Je vous invite à ne... Si jamais vous jouiez à Ultimate Team et que vous achetiez vos packs, de ne plus acheter de packs, tout simplement. Vous démerdez avec les packs que vous pouvez récupérer gratos avec vos crédits, etc. Et croyez-moi... Pour avoir un tout petit peu joué, j'ai pas non plus joué énormément, hein, mais pour avoir un peu joué à Ultimate Team, je vous assure que c'est beaucoup mieux de voir la progression de son équipe comme ça, plutôt que directement, dès le départ, acheter 300 packs pour avoir tous les meilleurs joueurs du jeu dans ton club. Après moi je sais pas si peut-être je suis bizarre, mais j'aime bien jouer avec des petits joueurs, moi, en général. Avec des petits joueurs qui ont entre 70 et 80 de général maximum, tu vois. Je suis pas forcément fan de jouer avec des gens, par exemple Ricky Puig qui a 87 de général.
je préférerais jouer avec un gars qui a 80 de général à son poste, par exemple. Je veux dire, Lionel Messi, par exemple. Je pourrais jouer avec lui, mais voilà, ce serait juste pour des dribbles à la con ou quoi. Hein, je veux dire, je serais pas forcément à l'aise avec son style de jeu, tu vois. Et pourtant, j'adore Léo Messi. Hop là, et hop, ça dégage. Alors. Tac. Ouais, j'ai raté ça. C'est pas grave. Alors, je crois que, sans faire exprès, en plus, j'ai recommencé le truc pendant que j'étais en train de parler. Oh, c'est con ça. Bon, de toute façon, j'ai déjà le niveau A. Suffit que je fasse pas de faute et puis ça devrait bien se passer. Voilà. Il est bon, Barrette, hein. Ouais, c'est vrai que je pourrais augmenter Barrette, mais bon. Lui, pour le coup, il faudrait que j'augmente... Enfin, ces deux trucs d'entraînement, parce que sinon, ça va pas le faire. Mais après, tu vois, un exemple tout bête de joueur avec qui je préfère jouer, ben, tu vois, je préfère jouer avec un Khéphren Thuram que j'ai augmenté à son potentiel, mais maximal, de puissance absolue, alors que dans le jeu de base, hein, dans le jeu de base, il était censé ne pouvoir être amélioré que jusqu'à 78 de général, il me semble. Donc, ça restait dans mes clous, hein, c'est le type de joueur que j'aime, qui a un potentiel dans les 78-80 de général. Tu vois, lui, je l'ai augmenté à 90 de général, alors que normalement, ben, il n'est pas censé augmenter à autant, quoi. Il était censé s'arrêter à 78 de général et c'est marre. Donc, tu vois, c'est vraiment le truc pour dire que je préfère les petits joueurs que les gros dont on nous annonce un potentiel ultime à 80, 92, 93 de général et tout, alors que au final tu vas tout faire pour et tu l'atteindras jamais, quoi. Donc tu vois, alors que là, tu vois, avec des joueurs comme Ben Sebaini qui sont dans l'équipe et tout, bah on a quand même du très lourd. On a du Thuram qui, comme j'ai dit, à la base, il était censé être à 78 de général max. Eh ben, maintenant, il est à 90. Alors, on a un Despodov qui, je pense, hein, dans le jeu de base, je pense que les deux premiers, vous savez, les deux premiers joueurs créés par l'ordinateur, je pense qu'ils sont à maximum 72 de général. Eh ben là, le mien, il est à 85. Pour vous dire à quel point, voilà, c'est abusé quand même. Hein. Mon équipe, elle est quand même super cheatée. Hein. Offre de transfert pour Roche. J'accepte. Depuis le temps, lui, j'avais dit que j'acceptais. De toute façon, lui, il m'est plus utile. Hop, voilà. Il y a Ryung. Voilà, Ryung, peut-être qu'avec le Vista level up, là, peut-être qu'il aura son 84e point, je pense. Ce serait cool. Ce serait cool parce que son entraînement commence à me saouler. Bon, après, je dis ça, mais les entraînements défensifs, c'est ce qui me saoule le plus, mais bon. Je préfère les faire comme ça,
la défense elle augmente beaucoup plus rapidement que si je m'en réfère à la chance. Je suis pas sûr d'avoir le rang A. Allez hop, ça dégage. Mais bon, pour un retour, j'ai fait 5-1 avec l'équipe B. Je trouve ça honnête. On a gagné notre match simulé. D'ailleurs, par rapport au match simulé dans FIFA 21, parce que il y en aura hein, des matchs simulés sur FIFA 21, je pense qu'il y aura beaucoup plus de matchs simulés, vu que il y a la simulation interactive, là, je sais pas comment ça s'appelle, mais en gros, ça va être une simulation beaucoup plus... beaucoup plus dans le jeu, en fait. On aura vraiment l'impression que le match, il se fait, alors que voilà, il y a pas grand-chose qui se passe. C'est un match simulé. Donc, je pense que y en aura quand même beaucoup plus. Hein. Je pense que je vais faire en sorte de jouer que contre le top 5 ou top 7. Je verrai encore. Ça, je sais pas encore, mais bon. Après, peut-être, je vais faire un truc du style, je peux jouer que contre le top 5, vraiment jouer le match. Entre le top 6 à 10, je pourrais intervenir dans la simulation si besoin. Contre les 10 derniers, ça changera pas. Je simulerai le match entièrement, quoi. J'interviendrai pas. Et merde, je suis complètement un sac. Watai! Motsui! Mutsugi! Oh putain, j'ai loupé! Je suis un sac. Motsui! Oh putain. Tu vas me faire croire que Tramoni avec sa belle interception, il arrive à me l'enlever, quoi. Alors ça, c'est aussi un truc que je reprocherais à ces mini-jeux-là. C'est que quand toi, tu fais une faute, tu perds 1000 points d'office, direct, cash. Mais quand eux, ils font une faute, là, t'as pas de points bonus, tu vois. T'as aucun point bonus, c'est va te faire foutre. Bon, j'ai fait un rang B, ça fait chier, je suis obligé de le refaire. Rang B, c'est déjà bien. Ouais, mais c'est pas le rang A. Allez, hop, ça dégage. Oh putain, je l'ai loupé. Comment tu peux louper ça, quoi? Le gars, il est tout seul et tu le loupes. Là, tu vois, quand ils sont hors jeu, tu devrais avoir genre 500 points supplémentaires. Après tout, quand ils le mettent hors zone, t'as 500 points supplémentaires. T'as vu, là? Là, il voulait me tacler comme un bâtard, là, le joueur. Eh ben, tu crois que t'aurais eu des points si jamais il t'avait taclé? Bah non. Jamais. Jamais t'auras eu les points. Allez, regarde ça. Allez, hop. T'as juste le ballon perdu et puis c'est marre. Dégage. Donc comme je disais, il te donne aucun point, quoi. Il devrait changer ça pour le FIFA 21. Bon, après, je sais pas trop comment ça va se goupiller avec les entraînements dynamiques, là, je sais pas quoi. Mais bon, je pense que ça nous donnerait plus envie de faire tourner l'effectif, etc. Donc ça pourrait être intéressant. Franchement, ça pourrait être intéressant là-dessus. Mais bon, c'est pareil. Si tu simules les entraînements, enfin, je veux dire, si tu simules les entraînements, que tu simules les matchs, à chaque fois dans les matchs, ils prennent en compte les joueurs qui ont le plus gros potentiel, peu importe qu'ils soient au bon poste ou pas. Oh putain, tu passes à travers le ballon, quoi.
Le gars qui passe à travers le ballon. Allez hop. J'ai loupé. Bon, en tout cas, j'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous. Moi, je vous avoue que la rentrée, c'est pas encore fait pour l'instant. Enfin, au moment où cette vidéo sortira, oui, ce sera fait, mais... Mais là, pour l'instant, je suis encore en vacances, on va dire. Hop là ! Raté. Là, tu vois, il y avait faute, carrément, sur le joueur, mais... Pas de sifflage, rien du tout. Allez hop, dégage. Vas-y ! Dommage. Hop. Alors, est-ce que quelqu'un a augmenté ? Sasaki a augmenté. Super. Pour ce que j'en ai à foutre. Alors. Alors, par contre, Alexander, lucidité défensive, ça va être très intéressant. Tu vois, il est déjà à 79 de lucidité défensive pour 67 de général. Donc, ça peut être très intéressant. Et super. Harry Young a augmenté d'un point. Génial. Génial, génial. Tout ce qu'il me fallait... Pour pouvoir mettre d'autres entraînements, certainement à Arias. Je vais en donner un à Arias et certainement un à De Belder ou à Feng peut-être, j'en sais rien. Ouais, je verrai bien ça. Ça, je verrai bien. Ou alors, je vais être un gros sac et je vais donner deux entraînements supplémentaires à Alexander et Sasaki. Ce qui est aussi possible. Surtout pour Alexander, parce que... pourrait très vite prendre la place de Asenro ou Asenjo. Bon, Roche, il a vraiment pas envie de partir, hein. Roche, on lui dit tu peux y aller et tout. Non, je veux partir. Enfin, non, je veux rester plutôt. Je veux pas partir, je veux rester. Et c'est tout le contraire de Lionel Messi, quoi. Lionel Messi, je veux partir. Ah, oh mon dieu, Lionel Messi veut partir. C'est la fin du monde. Voilà. En gros. Si je donne un scénario défensif pour lui, ça va en faire de la blinde à faire, ça va me faire chier. Ouais, lui, il augmente que Puig. Bah écoute, je vais écouter mon instinct. Hein. Je vais écouter mon instinct. Et faire ce que j'avais prévu. Hop. Voilà. Je fais des contre-la-montre supplémentaires. Donc, en gros, va falloir que je fasse tous les entraînements. Fait chier. Le gars qui en a déjà marre. Mais c'est bien, parfois, de faire les entraînements, parce que, justement, ça te réapprend un petit peu à jouer. Oh, putain. Ça te réapprend un peu comment défendre. Que je vous avoue que j'étais quand même pas parfois à la ramasse en défense sur le match que j'ai joué. Oh putain. Évidemment. Évidemment, Tramoni qui est plus rapide que Harry Young. La logique. Hop là, ça c'est fait. Hop. Voilà, ça c'est fait.
on a le niveau A, c'est tout ce qui compte. Bon. Il y en avait encore un. Hop, voilà. Bon, ça, c'est fait. Suivant. Puis on s'arrêtera là, chers amis. Ce qui veut dire que pour la prochaine fois, on aura le mercato. On se rappelle, hein, le mercato, il y a deux joueurs qui peuvent partir. Donc, on sait pas trop qui va partir, justement. C'est aussi pour ça que j'augmente Alexander à fond, parce que j'ai bien peur que Ben Sebaini ne parte. Donc pour pallier à ça, il faut vraiment que j'augmente Alexander, mais au plus que je peux. Ouais, là j'étais hors jeu, je sais. Merci bien. Voilà, ça c'est fait. On a le niveau A. C'est con, on peut pas faire comme dans certains mini-jeux, on peut pas passer. C'est dommage. Parce qu'une fois que t'as le niveau A, j'ai envie de dire, tu passes directement tout le reste, t'en as rien à foutre. Allez, vas-y, tire. Hey! Tac, voilà. Suivant, Okama. Suivant. Alors, Okama, c'est pareil. Lui, dans le genre joueur au destin brisé, là. Gars, enfin, destin brisé entre guillemets, parce qu'il est quand même très, très, très fort. Mais. Je rappelle que au tout début, quand je l'ai récupéré, il était en peu devenir spécial. Et là, sa progression, elle s'était arrêtée à 82 de général. Je sais pas trop ce qui s'est passé entre temps, mais il s'est décidé de ne plus augmenter du tout. Et c'est bien dommage parce que il aurait continué sa progression, il serait au même niveau que Matsura en ce moment. Matsura, meilleur défenseur du jeu, avec, en vrai, dans le jeu, dans ce jeu-là, en FIFA 20, franchement, on va être honnête, j'ai la meilleure défense du jeu. J'ai la meilleure défense du jeu. Ta charnière centrale est à 89-90, donc c'est quand même du très très lourd. Oh putain, bande d'enculés, quoi. Je déteste, c'est quand il te dit, enfin, il te font un truc de pute comme ça, et que il te manque juste 500 points, juste un tacle. Allez, et là, regarde-moi ça, allez hop, ça dégage. Enfin bref, ouais, que ce que je disais, j'ai quand même une des meilleures défenses. Bon, allez, putain, mais il y avait même pas de faute là-dessus. Je vais m'énerver sur des entraînements. Non, mais t'es sérieux, mais t'es sérieux. Je vais pas réussir à faire un niveau A sur un entraînement aussi merdique que celui-là. Ah, mais quand le scénarium il te casse les couilles, mais à un niveau inimaginable. Là, ça fait depuis 3 plombes que j'avais demandé un centre et il l'avait jamais fait. Allez, bien sûr, il se foire sur le tacle. Bien sûr, merci. Et là, il se foire sur le tir. J'y crois pas. Allez, voilà. Comme ça, on l'a pas. Voilà, il faut le refaire encore une fois. Ah, mais ça, vous voyez ce que je suis en train de faire, là, ce que je suis en train de subir. Eh ben, dites-vous que je fais ça
dans tous les entraînements que, où je fais des ellipses, je fais ça. Je fais que ça. Et dites-vous que c'est très très chiant. Surtout quand t'es censé le faire avec des joueurs beaucoup moins forts que celui que je suis actuellement. Hein ? Et que tu fais le niveau A, mais finger in the nose. Et que sur les joueurs où ils sont bien expérimentés, bien puissants comme il faut, avec des bonnes stats et tout, là tu galères, mais comme un rat pour faire le rang A, quoi. C'est n'importe quoi. Tiens, mange. Ça t'apprendra à me faire chier. Oh putain. J'ai encore le rang B, putain, mais j'y crois pas. Je vous l'ai dit, je vais pas arriver à faire le rang A. Et là, c'est la dernière tentative que j'ai, donc... Là, normalement, j'aurais dû avoir 1000 points. Merci. Mais là, bien sûr, genre Tramoni, me fait ça, genre Tramoni, fait ça dans le jeu, bah oui. Tu veux pas un Ricard? Tiens, mange. Oh putain. Heureusement que j'ai Harry Young, hein, parce que... Avec Okama, laisse tomber les tacs parfois. Et pourtant, Okama, il est beaucoup meilleur que... Enfin, il est beaucoup meilleur, oui, il est beaucoup mieux qu'Harry Young. Niveau tacle et tout, normalement. Bon, là, j'étais hors jeu. Mais je m'en fous, j'ai le rang A. Et là, le niveau or, super simple à avoir. Il suffit de passer dans 1, 2... Là, j'ai pas fait, mais bon, de toute façon, tu passes obligatoirement ici, et voilà, t'as le rang A, ouais. Après, tu peux faire n'importe quoi, du moment que t'arrives au bout. Ah, là, je fais n'importe quoi, allez, hop. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Et voilà, on est arrivé au bout. Bon, là, il veut pas, mais... C'est con, tu pourrais faire une passe dans le truc, histoire que tu finisses plus rapidement. Mais non. FIFA, il a décidé de te casser les couilles jusqu'au bout dans les mini-jeux et dans les entraînements. Donc, il te casse les couilles jusqu'au bout. Bon, après, je sais pas trop comment seront les entraînements dans FIFA 21. Mais si on pouvait les simuler, qu'on n'avait pas la possibilité en fait de jouer, tout simplement. Qu'on n'avait pas la possibilité de jouer, que le truc soit marqué simulé, tout simplement. Je pense que ce serait mieux. Enfin bon. Au moins, il y a tout le monde qui a le rang A, quoi. Bon. Eh ben, allez, chers amis. On va s'arrêter là. Avec les level up. J'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et... N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous de la vidéo. Et sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. C'était Dine Oliveira. Ciao.